Yoann Chausspied, designer produit industriel en freelance depuis à peu près 8 ans, spécialisé dans l'innovation responsable. Et je suis parallèlement à ça le responsable de la section bachelor en design de produit à l'école de Condé de Nice. Alors la conception d'objets, de la classe prépa, donc l'année 1, jusqu'au bachelor 3e année. Alors l'envie de transmettre ce métier de passion. Et les valeurs qui, pour moi, doivent absolument s'y attacher. On ne peut plus consommer comme à l'époque. Il faut qu'on modifie nos modes de consommation et nos modes de production. Et dans ce cadre-là, je suis convaincu que les designers produits auront un rôle majeur à jouer dans les prochaines années. Et ça commence dès demain, d'ailleurs. Alors, contribuer à former les designers produits de demain, c'est une véritable source de stimulation pour moi. Et puis, c'est aussi très enrichissant d'avoir face à soi tout un panel de profils à l'univers très singulier. D'ailleurs, à travers leurs projets aux étudiants, il m'arrive assez fréquemment d'apprendre énormément de choses. Donc, c'est-à-dire que la transmission se fait dans les deux sens. Donc, c'est forcément vertueux. Alors, c'est une école qui tend à s'ouvrir concrètement de plus en plus sur l'innovation responsable, avec entre autres l'ouverture l'année prochaine du master matériaux innovants et développement durable au sein de l'école de Nice. Et puis au-delà de ça, c'est une école aussi qui, dans laquelle il y a une émulsion créative très importante et très stimulante, une fois de plus, au sein des classes et dans la salle des profs aussi. Parmi tant d'autres, je vais vous donner une anecdote qui restera pour moi assez frustrante. C'était il y a à peu près 2 ans, on avait engagé un partenariat avec Decathlon, avec sa filiale Between, qui se trouve à Lille. Et donc on avait fait donc venir, comme à notre habitude, 2 designers de la marque. Et puis ces 2 designers nous avaient proposé, chose rare et très précieuse, et c'était un vrai privilège pour nous, d'aller dans leur bureau de conception à Lille. Et donc on était extrêmement ravis, on avait tout organisé, on avait loué le van, on avait défini les conducteurs, parce qu'il y avait quand même 12 heures de route, il me semble. Et puis donc voilà, tout se passe à merveille, jusqu'au dernier moment, la veille, où on apprend qu'il y a une alerte météo sur toute la région de Lyon, donc impossible de traverser la France. Donc grosse frustration, parce que cette occasion n'a pas pu se représenter, parce que le timing était trop serré, mais à charge de revanche sur un prochain projet. Voilà.